Salam alaikum warahabi, comme nous matin, vous connaissez les ovaires, une action sur le beau-fils, séminaire rétro-contrôle ovarien. Je vais vous les différents types de rétro-contrôle exercés par les ovaires. Alors, pour commencer, je dois vous proposer, vous donner les différents types de rétro-contrôle qu'on peut trouver chez la femme ou les homopsyphames deux types femme un rétrocontrôle négatif ou femme un rétrocontrôle positif. ben La définition du rétrocontrôle négatif. Eh bien, lorsque le taux élevé d'une hormone d'une glande entraîne la diminution de l'activité hormonale d'une autre glande. Alors, la définition générale. ben Rétrocontrôle positif. Lorsque le taux élevé d'une hormone d'une glande entraîne l'augmentation de l'activité hormonale d'une autre glande. Mais ben, hein? lorsque l'auto est élevé. Mais pour le rétrocontrôle le rétrocontrôle négatif, l'élévation entraîne une diminution. Alors que l'élévation entraîne une augmentation. Ben, on va appliquer ces deux définitions pour chercher les différents types de rétrocontrôle exercés par les ovaires sur l'hypophyse. Alors, on va faire ensemble l'activité suivante. Alors, je vais les courbes de sécrétion de LHFSH et de Stradiol et de Progestérone. Alors, je vais vous faites une analyse comparée des courbes de l'estradiol Progestérone, de FSH et de LH afin de faire quoi Afin de, à de dégager les types de rétrocontrôle exercés par les hormones ovariennes sur l'hypophyse et puis euh, préciser le moment où ils se produisent. Mais, ben, voilà

puis on va déduire le type de rétrocontrôle. Ben, allez, si je commence par cette première partie concernant l'évolution des hormones ovariennes, elles elles. et bien ben là, je chauffe tu sais, de c'est normal. Moi, je progestérone. Alors, au début, le taux est les faibles qui me mais bad, il y a une légère augmentation. Donc, L'analyse est là, et nous avons vu les valeurs. Alors, nous avons par euh, 50 environ picogrammes, d'accord Et on va dire ça dans l'analyse donc, euh, du premier au sixième jour, la concentration elle est faible, égale à environ 50 picogrammes par millilitre. Bien, nous avons vu que nous avons vu le travail à partir du sixième ou deuxième jour. Donc, je avons vu ça. Bien, nous avons vu une augmentation. Alors, l'augmentation, ça va faire un peu c'est une augmentation qu'on voit, c'est lente, mais en fin de compte, c'est une augmentation. Donc, il y a des zones de colou. On a tous les valeurs. Colou, à partir du sixième jour, ce taux augmente lentement. Il passe de 50 à 150 mégagrammes. Bien, on va les hormones hypophysaires. Alors, les hormones hypophysaires, on a ici, donc, l'LHFSH. On va voir ce qui se passe avec l'LHFSH. Alors, vous voyez le taux. Au début, on a une très faible par rapport à l'épique, les l'étéfois les entendu, d'accord. Et donc, au début, du premier au huitième jour, le taux est faible. On a la moyenne, donc la valeur moyenne pour chaque hormone, d'accord. Et puis, là, est à partir du huitième jour. Je ne le Je vous la valeur, la concentration diminue encore. Donc, femme une diminution remarquable à partir du huitième jour. Donc, à partir du huitième jour, ce taux diminue encore à partir du 8 jour. Alors, on peut déduire le type de rétro-contrôle. Alors, je vais vous dire que c'est une légère augmentation. L augmentation lente. Et l'augmentation, elle est suivie vers le huitième jour par une diminution du taux de ces hommes Donc, je vais voilà c'est Voilà, c'est un rétro-contrôle négatif. Ben, bah, c'est une cadence un peu étrange. Comme on a le parti lourd, la deuxième, puis le parti second, cest à alors vers le deuxième jour, eh bien, il nous faut clairement donc euh, un pic de stradiol, environ 250 microgrammes, donc avec du donc une augmentation rapide et importante. Alors l'augmentation que je chauffe le est suivie vers le treizième jour par une augmentation importante de FSH et LH. Au lieu vers le 13e jour, il y a une augmentation qui est, comme vous voyez, brusque quand même, rapide hein, euh, des taux de FSH et LH. Bon, brusque, brusque, rapide, Yani, ça d'une manière, on le inattendue. On est sûr d'une augmentation remarquable. Donc, cette augmentation du taux de FSH montre des pics. Alors, on a eu les valeurs 6,5 pour l'FSH et 26 pour l'âge. Yann, une augmentation rapide de radiol. Elle est aussi importante. Je je dire, je veux Une augmentation importante une augmentation importante de Donc ici dire, donc Maintenant, pendant la phase lutéale, chauffons clairement le taux, les taux de LHFSH sont faibles, avec la présence de quoi, essentiellement de progestérone, avec une concentration élevée qui me chauffe, et même aussi de stradiol. Ben, donc, à des huméracuelles, on dit, la concentration de stradiol est légèrement élevée, avec en donnant la valeur, vers le 21e jour. Alors, il faut ajouter ici donc la sécrétion importante de progestérone' les, donc euh, vers le atteint un pic important vers le 21e jour pic de 14 nanogrammes par millilitre. au les femmes au niveau des hormones hypophysaires, des concentrations faibles et en dans les valeurs. Donc, femme une sécrétion importante donc de progestérone, femme euh, de l'estradiol et ça provoque quoi une Faible concentration des hormones hypophysaires, ben, je vais vous dire qu'il y un négatif. Donc, en fin du compte, pour résumer, pour vidéo, je vais vous dire que le un rétro-contrôle négatif. Alors, il y a un rétro-contrôle négatif. Ce n'est pas un rétro négatif, mais c'est un rétrocontrôle contrôle gym. Je vais une augmentation de l'hormone. Donc, en fait, c'est une levée d'inhibition. D'accord? Donc, un rétrocontrôle négatif au début, on va être positif juste avant l'ovulation et rétrocontrôle négatif pendant la phase lutéale. Alors, Khalina, on peut dégager cette conclusion en disant que le verre contrôle la sécrétion des gonadostimulines par l'intermédiaire de ces hormones et par deux types de rétrocontrôle négatif au début du cycle et pendant la phase lutéale et positif deux jours avant l'ovulation. فوالا <سؤال> دونك ان شاء الله <سؤال> تكون الحكايه واضحه الفيديو هذه مهمه برشا لكم انتم دونك ماذا بيا اذا ما فهمتش تعاود تتفرج فيها الفيديو و اي تو نوت لي غومارك باش كاكا تتمكن بالقدام من المعلومات اللي شفناها بعد. المره الجايه ان شاء الله باش نزيدوا نواصلوا زاده في الريترو كنترول نيجاتيف بون في الريترو كنترول بصفه عامه خلينا نقول باش نشوفوا بعضنا لي موداليتي داكسيون دو ستراديول السلام عليكم.